Comme promis, je vous présente ces nouvelles collections de papier de chez Minté qui viennent d'arriver, ainsi que leur die-cut assorti. Donc, comment sont présentés ces papiers? Nous allons découvrir ça ensemble pour cette première collection. Donc, c'est la collection sur les voyages, Next Trip, donc le prochain voyage. On a tous besoin, on a tous envie de partir en voyage. Donc voici ces pages. Donc il y a 2 fois 12 motifs, 12 pages, plus la page bonus ici avec tous les embellissements à découper. Alors je vais me déplacer comme ça, dans ce sens, ce sera plus facile. Donc je vous ai préparé des petites choses après pour aller avec. Donc il y a cette première page avec tous les panneaux, London, Moscou, Paris, Sydney, Madrid, Rome, New York, Hong Kong. On a bien envie de voyager. Ensuite on a en fond cette carte là qui fait comme de l'eau. Là c'est assez moderne. Il y a l'agenda, le planner, l'appareil photo instantané. Le casque, le téléphone, une boussole, de quoi noter, bref, tout ce qu'il faut pour partir en vacances. Les beaux nuages à l'arrière, alors c'est très doux comme couleur, c'est bien joli. Un chapeau, un avion, une boussole, tout ça, on a envie de partir. Waouh, ah, ça donne vraiment envie de voyager. À l'arrière, des fonds avec la carte comme ça, une belle map monde avec l'Afrique ici. Ensuite, vous avez à l'arrière des tickets d'avion, plein de tickets d'avion. Ensuite, des roses. Donc là, ce sont les fleurs dans des tons roses et bleus. Et sur cette grande page, vous avez encore des cartes et puis des roses sur un fond de ciel nuageux. Ici, vous avez les 12 cartes à découper ou à déplier, à plier et déplier. Et à l'arrière, vous avez aussi des motifs assortis pour ces diapositives. Donc, vous avez 2 fois les mêmes motifs. Donc, le double de page. Donc, ça, c'est pratique. Il est pastel, il est très joli. Donc, moi, pour aller avec ça, je vous ai fait une petite sélection. Donc, d'abord, je vous ai sélectionnez cette couverture de chez Craft O'Clock qui est dans les mêmes tons que ce rose et qui est la couverture numéro 38. Donc celle-ci va avec. Je vais vous proposer aussi des cardstock qui sont dans des tons dégradés de rose. Je vous propose celui-là parce qu'ils vont aussi aller avec la collection sur les vacances qui est dans les tons rose et jaune. Mais ces roses peuvent s'assortir très bien avec ces couleurs douces. Donc vous avez en fleurs ces lots de petites fleurs de chez Prima qui vont aussi très bien avec, et les die cuts. Alors là, les die cuts, je ne les ai jamais ouverts. Il y en a 46 dans le paquet. Donc tout ce qui est représenté ici, bien sûr, et qui est assorti à cette collection. Donc on va les regarder comme ça, vite fait, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a ces petites choses là, des petites flippettes, je ne sais pas comment on peut les appeler ça. Il y en a plusieurs. Des carnets. On a valise, panier, chapeau pour partir en voyage. Le téléphone, le passeport, l'avion. Alors c'est bien parce qu'ils ne sont pas trop épais. Donc si vous voulez faire des superpositions, c'est suffisant. Donc c'est bien, vous avez les bouquets de fleurs, les boussoles, le coussin à mettre derrière la tête, donc je pense que ça c'est 2 fois, les appareils instantanés, de tailles différentes, vous avez encore ces petites choses, les panneaux, un sac à dos, le journal de voyage, une valise à roulettes, c'est vraiment très mignon. Des fleurs en différentes tailles, des bouquets de fleurs, des cartes du monde. Ah, il y a une forme cœur avec. Ensuite, un autre appareil photo, voyage,
Voilà, des petits mots en anglais sur les voyages, une map monde en deux tailles différentes, encore ces petites aiguilles là, deux map monde, deux tailles différentes, un plan, une carte, encore une boussole, un appareil instantané, des petits mots, des petites flèches comme ça, encore un cœur, un sac, un chapeau, des lunettes de soleil, un hublot, la vue du hublot, comme ça, et voilà, et toutes ces petites aiguilles, là, ces petites flèches. Voilà, donc il y a tout ça dans le paquet, vous en avez 46. Donc ça, vous trouvez ça dans la boutique Scrap Merveilleux au rayon des papiers mintés. Donc les petits embellissements, les chipboards comme ça, les die cuts, c'est aussi au rayon des papiers mintés, dans le rayon minté. Voilà, comme ça vous cherchez pas trop. Les fleurs avec les fleurs, les cardstock avec les cardstock. Voilà, et les couvertures avec les papiers craftoclock. Voilà pour cette jolie collection. Je vous retrouve dans un petit moment pour vous présenter la collection Vacation. À tout de suite.